Le 50e anniversaire du temple du sport en France, situé près du bois de Vincennes, l'INSEP, où s'entraînent les champions, organise jusqu'à demain des journées portes ouvertes au programme pour cet anniversaire, des compétitions, des démonstrations, mais aussi des visites qui ne sont pas passées inaperçues. Isabelle Dupont. Visite souvenir pour un ancien athlète de l'INSEP, devenu aujourd'hui ministre. Guy Druth est l'un des innombrables champions formés à l'Institut National du Sport. Tout le week-end, cet immense campus sportif est ouvert au public qui peut assister à des démonstrations et des entraînements. Les meilleurs représentants de chaque discipline sont présents et la course aux autographes, c'est aussi du sport. C'est très bien, surtout les champions, on les voit à la télé, mais en vrai, c'est pas mal non plus. Caristan, Galfion, je sais pas, je m'attends à voir Conelro d'ici quelques minutes. Champion incontesté de la popularité, Philippe Candeloro. En quelques minutes d'exhibition, le roi de la glace a fait fondre son public et déclenché une grosse bousculade. C'est surtout des gens qui sont intéressés par le sport et ça c'est important parce que aujourd'hui le sport dans la vie c'est quelque chose qui est fait pour se détendre. Ces journées sont aussi l'occasion de découvrir des disciplines certes moins populaires mais qui n'échappent pas à la curiosité des spectateurs. D'habitude on tire dans des salles closes où il est difficile de venir nous voir nous entraîner. Là on nous a mis à l'extérieur et c'est vrai que les gens ont compris que c'était pour les renseigner, pour leur montrer. Et au trampoline, tout le monde peut s'essayer à devenir peut-être champion de demain. J'en ai fait un peu à l'école, j'en fais un peu tous les vendredis et puis là au fur et à mesure on apprend à faire du trampoline. Reste pour les moins courageux un sport qui ne demande pas trop d'efforts, la sieste.